carrière d'une trentaine d'années, parce que dans les années, c'est dans les années 80 qu'on voyait ça, les coups de force de ce genre. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso est un pays exemplaire. Le Burkina Faso a réussi tout seul son insurrection à faire partir Blaise qui avait duré pendant 27 ans. Ils ont goûté hors du pays le dictateur. Ils étaient dans un processus de transition réussi, avec un code électoral bien ficelé, le fichier électoral est révisé et des élections qui étaient prévues pour le 11 octobre. Donc tout le processus électoral était enclenché, tout était en règle, tout était sur les bonnes rails. Là, avec l'inclusion du RSP, tout est remis en cause et le Burkina est devenu aujourd'hui la risée de la communauté internationale parce que nous étions. C'était un exemple. Nous allions être le premier pays à réussir une transition dans les délais impartis. Mais avec ce qui vient de se produire, c'est vraiment une honte pour l'Afrique et c'est dommage, nous sommes très très déstabilisés par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci.